C'est un retour brutal sur terre du Sili National de Guinée, ici même au stade de Yaoundé, après ses deux premiers résultats satisfaisants. La bande Akaba Diawara vient de s'incliner sur un score de 2-1 face au Zimbabwe, quasi éliminé, qui voulait à tout prix s'offrir un barreau d'honneur dans cette troisième journée de la poule B. Résultat, score final, le Sili National concède sa première défaite de cette poule B, termine tout de même deuxième derrière le Sénégal, par conséquent direct qualifié pour les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en sa 33e édition. Puisqu'il n'y a pas un sans deux, l'autre mauvaise nouvelle, c'est que Kaba Diawara perd Nabi Keita Deko sur cumul de cartons. Il sera donc forfait pour le huitième de finale et il perd possiblement Issiaga Silla, sorti également sur blessure. Kaba Diawara, qui était très amer en conférence de presse et qui a définitivement clos le débat sur son schéma tactique jugé infructueux, mais aussi et surtout inapproprié par rapport au profil de joueurs dont il dispose.